Alors maintenant, nous allons passer à la dernière intervention. Donc, je vais passer la parole à notre ami. Et avant, je voudrais dire un mot, parce que c'est Christine Amirati qui va faire la conférence, de dire que moi, je la connais depuis longtemps, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble et qu'elle a énormément aidé les facultés de médecine, et je peux en témoigner, en tout cas, pour celles dont j'étais doyen. Donc, on est très heureux de l'entendre ici, et je passe tout de suite la parole à Pascal pour qu'il puisse la présenter. Merci. Alors, avant de présenter Christine, que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent, un point d'organisation, un point pratique d'organisation, j'ai été informé que les bus dont il était dit qu'ils partiraient à 17h partiront à 17h30. Si l'un ou l'une d'entre vous est en difficulté à cause de ça, pour le train à la gare, parce que si le bus part à 17h30, il vous ramène à l'hôtel, vous y serez à 17h50. Ce qui veut dire que si votre train, en gros, est avant 18h30, il faut qu'on trouve un autre moyen, et ça pose aucun problème. Mais je vous demande de vous signaler à Madame Sylvain, là, qui est au premier rang. Vous lui faites un petit signe, elle va passer auprès de ceux qui seraient en difficulté pour commander un taxi. Donc, n'hésitez. Donc, il y a déjà une personne. Et est-ce que vous voulez bien lever le doigt, les personnes qui auront besoin d'un taxi ? Pour faire simple. Donc, ça fait deux taxis. Donc, on va vous les organiser à 17h, comme c'était prévu. Il n'y a aucun problème. Et puis, pour les autres personnes qui donc attendront à 17h30, on verra si on vous fait faire un petit tour de deux endroits emblématiques de la faculté, si on a le temps. Voilà ce que je voulais vous dire. C'était important quand même. Alors, j'en profite maintenant pour... Patrick, de me permettre de présenter Christine Amirati. Donc, Christine Amirati est professeure en médecine d'urgence. J'avais dit ce matin qu'on avait la chance d'avoir deux docteurs en sciences de l'éducation. Donc, c'est la deuxième, qui était un peu le mentor du premier de ce matin, je crois, Thierry Pellassia. Elle est coordinatrice du Centre de pédagogie active CIMU Santé. Si vous n'y êtes jamais allé, sachez que c'est une structure absolument impressionnante qui met trop le niveau à atteindre. Elle est coordinatrice du projet Epion Campus Santé Environnement Partagé Innovant Ouvert Numérique Évolutif. Elle est lauréate d'un appel à projet et initiative d'excellence en formation innovante depuis 2012. Elle est lauréate d'un appel à projet nouveau cursus universitaire depuis 2017. Elle est lauréate, ne rougis pas, de l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir qui nous a été présenté tout à l'heure avec un projet Primance. Elle a été conseillère auprès de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, de 2019 à 2022. C'est là qu'on a été amené à interagir et, je crois, à s'apprécier mutuellement. J'ai, pour elle, vous l'avez compris, la plus grande admiration, la plus grande amitié. Elle est actuellement chargée de mission par les ministères de l'Enseignement supérieur et de la Santé pour l'universitarisation des professions paramédicales, sujet qu'elle connaît donc mieux que personne, que j'ai évoqué un petit peu ce matin en renvoyant à la communication qu'elle ferait cet après-midi. Donc c'est avec plaisir, ma chère Christine, que je te cède la parole. Merci infiniment, c'est beaucoup trop. Merci beaucoup, Patrice. Madame la Présidente, chère Catherine, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs les académiciennes et académiciens, Messieurs les doyens et, j'ai envie de dire, chers amis, chers collègues, je vous remercie de me permettre de parler de cet accompagnement de l'universitarisation des professions paramédicales et on va voir ensemble que c'est un sujet qui n'est pas nouveau, mais comme certains sujets, c'est un sujet qui nécessite de nombreuses années avant d'arriver à son aboutissement et nous n'avons pas encore fini. Donc c'est un long parcours j'en veux pour preuve, en haut à droite de cette diapositive, un bulletin de l'Académie de médecine qui date de 2015 et qui s'intéressait au sujet. Donc vous vous êtes intéressé au sujet en 2015 et dans ce bulletin de 2015, vous-même, vous repreniez le parcours de l'universitarisation des professions de santé. Tout est parti de la conférence de Bologne, que vous connaissez bien, donc cette déclaration de juin 1999 qui indique en 6 actions, en gros, la nécessité d'avoir une lisibilité des certifications au niveau européen et la mise en place de ce système, de ce processus LMD, licence, master, doctorat, qui a remplacé ce que certains d'entre nous ont connu. C'est ce que j'ai fait quand j'avais fait mon doctorat en sciences de l'éducation. J'avais repris, mais à l'époque, on faisait une maîtrise, un DEA et un doctorat. Et donc ça s'est transformé en 1999 en LMD, donc licence, master, doctorat.
Et l'idée, c'était qu'on puisse effectivement avoir cette certification européenne et le fait qu'on puisse aller d'un pays à un autre et d'avoir une reconnaissance des uns et des autres avec un système d'accumulation de crédits, donc les fameuses ECTS. On a tous travaillé dans les années 2000 à la réforme de nos études de santé déjà pour mettre en place les ECTS. En fait, il faut attendre 2006 pour que deux ministres de l'époque s'intéressent aux professions paramédicales et à leur intégration dans le système LMD. Jusqu'en 2006, les professions paramédicales étaient des professions qui étaient enseignées dans des instituts de formation, qui dépendaient essentiellement et uniquement d'ailleurs du ministère de la Santé et quelques-unes de l'Éducation nationale. Et les deux ministres lancent un groupe de travail pour que les collègues paramédicaux puissent eux aussi intégrer ce système LMD et qu'il puisse y avoir, pourquoi pas, des passerelles. Et ce qui est intéressant, c'est que ce groupe de travail, finalement, remet un rapport et une circulaire sort du ministre du ministère du Travail, donc c'était l'époque où Xavier Bertrand était ministre du Travail, et de François Goulard, une circulaire qui dit qu'effectivement, on doit intégrer les professions paramédicales dans le système LMD et qu'à partir de 2012, c'était donc la première sortie de l'école des instituts de formation infirmiers, eh bien on doit pouvoir donner un grade licence aux infirmiers qui donc étaient les précurseurs de ce système LMD. Ce qui est intéressant de noter, c'est ce qu'on voit très peu sur cette diapositive vue de loin, c'est qu'à l'époque, le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle était M. Herzl, qui vient donc de prendre le poste de ministre de l'enseignement supérieur depuis le début de la semaine. Donc il était à l'époque DGCIP quand il a lui-même signé ce premier pas vers l'universitarisation des professions de santé. Dès ce premier pas, il était nécessaire, et c'était écrit sur la diapo précédente, d'établir des conventions. Et là, on commence à entrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est-à-dire que ce matin, Patrice Diot parlait de complexité, de bicéphalité entre le ministère d'enseignement supérieur et le ministère de la Santé et de l'accès aux soins, puisque c'est le nouveau nom de notre ministère de la Santé. Eh bien, on se rend compte tout de suite que là, on a déjà beaucoup d'acteurs pour la mise en place de conventions entre non seulement le ministère de la Santé, enfin l'État, les universités et les instituts de formation, mais les conseils régionaux, puisque la loi décentralisation de 2004 a donné aux conseils régionaux cette capacité et ce périmètre d'action qui concerne donc les soins dans les régions. Ce qui fait qu'on a ces acteurs avec des rôles qui sont dévolus à chacun d'entre eux. Très rapidement, hein, l'État, c'est l'organisation des cursus, c'est les diplomations, enfin la certification et le niveau de certification. Et puis, leurs représentants, en l'occurrence les agences régionales de santé, qui ont comme mission, comme vous le voyez, de contrôler la qualité pédagogique. On peut s'interroger si c'est la mission, et c'est une interrogation qu'on a d'ailleurs aujourd'hui sur laquelle je reviendrai, est-ce la mission d'une agence régionale de santé de contrôler une qualité pédagogique? En tout cas, c'est écrit en tant que tel dans les textes législatifs. Et puis, évidemment, de réguler la formation en fonction des besoins de santé. Dès cet état, on voit que la diplomation part aujourd'hui se fait par la DRETS, et donc la diplomation aujourd'hui est faite, n'est pas faite par les universités, et n'était pas faite par les universités, mais bien était dévolue aux DRETS. Les universités, quant à elles, participent au programme pédagogique, il est indiqué qu'elles doivent y participer, elles participent à la gouvernance, et elles mettent à disposition la documentation, la bibliothèque universitaire, etc. Quant aux régions, les régions ont un rôle extrêmement important, hein, puisque, comme vous le voyez, elles vont répartir les capacités de formation. C'est elles qui délivrent des autorisations de création de nouveaux instituts. C'est elles qui renouvellent les agréments des instituts. Et puis, c'est elles aussi qui les financent, puisque, sur le plan financier, c'était tout le côté de cette loi de 2004 de décentralisation, c'est que le fonctionnement de ces instituts de formation était à la charge et est à la charge des conseils régionaux, ce qui explique
que c'est aujourd'hui un acteur extrêmement important dans les discussions que nous pouvons avoir, et je reviendrai dessus. Et puis enfin, les instituts de formation publics et privés, qui sont parfois attenants aux établissements de santé, mais parfois pas du tout attenants aux établissements de santé, et certains instituts de formation sont... Croix-Rouge, comme vous le savez, et c'est d'ailleurs la grande partie des instituts de formation privés. Tous ces acteurs doivent donc établir des conventions. De quelle profession paramédicale parle-t-on ? Quand on parle de profession paramédicale qui rentre dans ce système LMD, licence, master, doctorat, c'est donc les professions infirmières, avec le métier d'infirmier, mais toutes les spécialités qui vont avec ce métier d'infirmier. Les professions de la rééducation, réadaptation, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, etc. Et puis les professions médico-techniques. Je le mets tout de suite, en 2019, il y a donc eu la création, comme vous le savez, des CNU, qui ont été trois CNU, un CNU de maïeutique, mais c'est une filière médicale, donc je n'en parlerai pas, et deux CNU qui correspondent aux filières paramédicales, en l'occurrence le CNU 92 en sciences infirmières et le CNU 91 en sciences de la rééducation et réadaptation. Et donc, et on en reparlera, aujourd'hui, il y a une cinquantaine d'enseignants-chercheurs qui sont des enseignants-chercheurs mono-appartenants dans les filières donc, que je viens de citer. On est donc en 2006, on passe à 2012, et 2012, les infirmières sortent des instituts de formation grâce aux conventions tripartites dont on vient de parler, avec un diplôme d'état d'infirmier donnant grade licence. C'est le terme consacré, et je reviendrai dessus parce que ça a été de longs moments de discussion sur cette notion de donnant grade licence. Depuis 2012, il y a eu un certain nombre de rapports qui sont sortis les uns après les autres. Je ne vous en ai mis que quelques-uns. Mais quoi qu'il en soit, ces rapports multiples, qui étaient des rapports systématiquement, entre guillemets, bicéphales, ministère de la Santé, ministère de l'Enseignement supérieur, donc rapports IGAS et IGESR, donc des deux inspections générales, eh bien, dès 2013, le premier rapport dit qu'il faudrait intégrer les formations dans l'enseignement supérieur et donc faire en sorte qu'il y ait une diplomation qui soit faite définitivement par le président de l'université. Les rapports se sont succédé. Le rapport de 2017, qui reprend encore une fois cette notion, recommande encore une fois, pour simplifier la vie de l'étudiant et puis pour faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul donateur certificateur, que tout doit être intégré, là encore, à l'université. Multiplicité des rapports, tout le monde se pose la question, nombreux rapports, et puis la question se pose aussi de la formation des infirmiers sur le plan international, avec des questions qui sont effectivement posées sur la place de l'infirmier dans notre vie et dans la prise en charge en santé, la prise en charge en soins, simplement pour dire qu'il n'y a pas qu'en France que les interrogations ont été menées sur la mission de l'infirmier et finalement la collaboration médico-soignante sur laquelle on reviendra dans le cadre de l'interprofessionnalité dont tu parlais. Le rapport de 2022, qui est encore le plus récent, a indiqué clairement dans le rapport qu'il fallait qu'il y ait définitivement une diplomation par le président d'université, l'intégration à l'université des instituts de formation. Alors, avant de se poser la question de savoir où nous en sommes, déjà, en Europe, quelle est la place de l'université dans le cadre de la formation infirmière ? On va parler de cette profession. Eh bien, dans la plupart des pays européens, j'exclus la Suisse qui n'est pas en Europe, mais dans la plupart des pays européens, c'est bien l'université, et c'est à l'université que sont formés les infirmiers. Pour avoir, comme vous, vraisemblablement, être allé ailleurs enseigner il y a quelques années, je me souviens d'un congrès au Brésil en 93 où des professeurs infirmiers sud-américains et canadiens venaient donner des cours en tant que professeurs infirmiers, et c'était quelque chose de tout à fait normal et parfaitement logique. Il se trouve que donc ça n'était pas le cas en France. Pour vous donner une idée, en France,
Je vous ai dit qu'on avait une cinquantaine d'enseignants-chercheurs depuis 2019, donc depuis la création des CNU. Donc une cinquantaine, ce qui n'est pas beaucoup. Une idée aussi, on est en sixième rang mondial sur la publication des articles concernant le domaine de la santé. On est au 30e rang mondial concernant les publications d'articles concernant les soins infirmiers. Donc on a de toute façon, et on le sait, un retard considérable sur la recherche en soins infirmiers, comme d'ailleurs la recherche en ambulatoire, et j'aurai l'occasion de revenir là-dessus, puisqu'on a parlé ce matin de la nécessité d'universitariser les territoires. Alors en parlant de territoires, les instituts de formation sont extrêmement bien répartis sur le territoire. On a un réel maillage territorial. Le dernier rapport IGAS-IGESR qui portait sur le statut des encadrants paramédicaux et qui a été rendu en juin 2023 à notre demande, a fait cette cartographie qui est intéressante parce qu'on se rend compte que, évidemment, les instituts de formation sont bien plus importants en termes de maillage que le nombre de nos universités. Et donc, dans la réflexion qui a été la nôtre, et on reviendra dessus, il n'était pas question de remettre en cause la présence des instituts de formation au sein de nos territoires. Il y a eu à un moment une idée en se disant, si vous voulez universitariser, alors ramenons tous les instituts de formation à l'université. On verra que cette idée n'a pas été retenue du tout. Et l'une des raisons pour lesquelles elle n'a pas été retenue, hormis que c'est le fait que c'était absolument pas pragmatique ni faisable, je reviendrai dessus, c'est qu'on a cette chance-là d'avoir des instituts de formation territoriaux avec des professionnels de santé qui peuvent être formés à proximité chez eux et donc fidélisés dans les territoires. Si on commençait à ramener tous les paramédicaux en centralisé, comme on le fait pour les étudiants en médecine en général, on aurait exactement le même problème et très vite sur les zones blanches, et non pas les déserts, mais sur les zones blanches paramédicales cette fois-ci. Donc il n'était pas question de revenir dessus. Pour qu'on ait une idée des étudiants et du nombre d'étudiants dont on parle, on a aujourd'hui 140 000 étudiants paramédicaux en France et environ 600 instituts de formation. Plus de 5 000 formateurs. Ces formateurs sont en général des cadres de santé. Ce ne sont pas des universitaires, ce sont des cadres de santé qui font ça très bien depuis des années. Et d'ailleurs, sur le plan pédagogique, je voudrais juste souligner le fait qu'un certain nombre de travaux, j'avais fait le point sur les travaux de recherche en pédagogie, on a plus de travaux de recherche en pédagogie pour les professions paramédicales qu'on a de travaux de recherche en pédagogie pour les sciences médicales quand on fait le ratio des enseignants universitaires et pas. Et donc les cadres de santé sont des enseignants qui en plus font des travaux et qui publient. Le deuxième point, c'est que la majorité des étudiants est constituée, vous le savez bien, par les étudiants IFSI, donc les étudiants infirmiers, et puis ensuite viennent les étudiants en rééducation, réadaptation. Plus de 80% sont à distance d'une université quand on compte le nombre d'instituts et le nombre d'universités, c'est ce que je vous disais. C'est pas très beau comme dessin, et j'en suis navré, c'est issu d'un des rapports que je citais. Vous avez ici le diplôme d'État donnant grade, licence ou master. Donc depuis 2012, la première sortie des instituts de formation infirmière qui donnait grade, licence ou master, vous voyez qu'aujourd'hui on a un certain nombre de paramédicaux qui ont effectivement une licence ou un master, donc leur formation donne grade, licence ou master sans qu'il soit nécessaire d'avoir un double cursus. C'est-à-dire que le diplôme même, le fait d'avoir suivi ces 3 ans de formation, donne grade, licence et 5 ans, donne grade, master. Donc vous voyez, infirmier puériculteur, pas encore, puisque l'ingénierie n'a pas eu lieu. Les IBOD, c'est sorti il y a 2 ans. Les IADE, master, depuis quelques années également, etc. Donc on a déjà un certain nombre de professions de santé pour lesquelles le grade est donné. Ce que vous voyez à droite de la diapositive, c'est la date de leur ingénierie de formation. Et donc, on se rend compte que la dernière ingénierie de formation des infirmiers date de 2009, c'est actuellement en cours. Les travaux de réingénierie
sont quasiment terminées. Puériculteurs, 1993, ça veut dire que depuis 1993, rien n'a été revu sur la formation. Et vous avez ici la liste, où vous voyez qu'on passe de 93 à 95, orthophonie 2013. C'est pour cela que, après avoir mis en place les trois CNU, les deux ministères ont souhaité travailler sur l'universitarisation des professions de santé, mais en allant plus loin que ce qui avait déjà été fait depuis 2012. Le plus loin signifiait quoi ? Premièrement, que la diplomation soit faite par le président d'université et non pas par la DRETS, mais qu'elle appartienne au président d'université. Puisqu'on était dans un système LMD, alors allons-y. Deuxièmement, développer la formation à la recherche. Et puis troisièmement, faire en sorte que les étudiants qui ont un grade, licence ou master, aient strictement les mêmes droits que les autres étudiants. En fait, l'idée, au-delà de ce que je viens de dire, c'était se dire, en agissant sur la formation, puisque les étudiants étaient extrêmement demandeurs, une grande part des acteurs étaient demandeurs, c'est vraisemblablement augmenter l'attractivité, faciliter la fidélisation, avoir une visibilité de carrière, parce que très honnêtement, et le rapport IGAS-IGESR, qui est un rapport public, donc on peut aller consulter, montre que quand on veut faire un doctorat en étant en sciences infirmières ou en réadaptation, c'est vraiment extrêmement compliqué, bien plus compliqué que pour les études médicales. Donc, l'idée était de se dire, en agissant sur la formation, c'est une véritable demande, eh bien, on va peut-être avoir des effets intéressants sur l'attractivité, la fidélisation et la visibilité des carrières. C'est comme ça que cette mission d'accompagnement a été décidée, au départ, c'est le cas de le dire, de Frédéric Vidal et d'Olivier Véran, mais mise en place avec les deux ministres qui les ont suivis. Et nous avons donc c'est comme ça que j'ai été chargé de ça, et nous avons donc mis en place une mission d'accompagnement avec l'ensemble des acteurs, les universités, les directeurs de CHU, je vais finir par prendre de l'eau, les ARS, Régions de France, bien évidemment, les étudiants, l'ensemble des enseignants, pour qu'on puisse ensemble essayer de trouver une trajectoire à cette universitarisation. Quatre volets était inclus dans cette mission, un volet qui concernait les conventions, on verra que c'était finalement plutôt un volet conventionnel et réglementaire, ingénierie de formation et diplomation, recherche et encadrement, et puis droit des étudiants. On a commencé à travailler en octobre 2022, et très honnêtement, ce matin on a parlé de beaucoup de choses, moi je voudrais parler des résistances. C'est pas si simple finalement. Quand on montre l'Europe, quand on montre là où tout le monde est allé, très franchement, quand on met tous ces acteurs dans la même pièce, autour d'une table pour parler d'universitarisation et passage d'une diplomation d'un point A à un point B avec la place du président d'université, etc., c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que les directeurs d'hôpitaux et les directeurs de CHU et pas CHU se disent « Oula !» Ils partent à l'université, mais moi, je veux qu'ils reviennent chez moi. Je veux les fidéliser chez moi. Ce n'est pas si simple, parce que les responsables d'instituts de formation se disent « Oula, l'université, grande dame, ils vont nous croquer tout cru. Qu'est-ce qu'on va devenir, nous, qui sommes cadres de santé et qui encadrons ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? On n'a pas forcément tous de master. Plus de 50% quand même des cadres de santé en IFSI ont un master. Mais bon, donc, crainte. De l'autre côté, l'université, waouh, on nous a déjà obligés à augmenter notre nombre d'étudiants en médecine. On ne va pas en plus nous demander de prendre en compte les 140 000 étudiants paramédicaux dont je viens de parler. Bref, on ne peut pas dire que les premières réunions aient été immédiatement enthousiastes ou qu'on a trouvé tous ensemble tout de suite le consensus pour trouver la trajectoire qui permettait d'aller au bout de l'idée. Alors déjà, quand on parle d'universitarisation, ça veut dire quoi ? Et en fait, universitarisation, il y a trois voies possibles sur l'universitarisation. La première, c'est l'intégration pédagogique. C'est-à-dire qu'on fait des conventions tripartites, c'est ce dont on parlait,
et l'Institut maintient sa personnalité juridique. Mais la diplomation revient au président d'université. La deuxième voie, c'est ce qu'on appelle l'intégration fonctionnelle. Certains d'entre vous l'ont fait. Là, il y a une coopération pédagogique qui est renforcée. On crée des départements au sein généralement des UFR de santé. On a donc une structure interne qui est un département, mais il y a toujours le maintien de la personnalité juridique de l'Institut. Le dernier point, c'est l'intégration organique, c'est l'intégration complète, c'est-à-dire que, j'ai envie de dire y compris physique d'ailleurs, cette fois-ci, on fait partie intégrante de l'université, l'Institut n'a plus sa personnalité juridique, et ce sont des étudiants qui entrent à l'université comme d'autres étudiants. C'était ce troisième point qui faisait peur. C'est-à-dire que c'était ce troisième point que, finalement, je ne vais pas dire personne ne voulait, parce qu'évidemment, les enseignants-chercheurs le voulaient, parce qu'évidemment, un certain nombre de participants le souhaitaient, parce que c'était très souhaité par les étudiants en santé. Mais on a dit 5000 formateurs, cadres, 50 enseignants-chercheurs. Faire rentrer les 140 000 étudiants à l'université d'un coup avec ce ratio, c'était irréaliste et de toute façon, ça n'était pas souhaitable, ni par les uns, ni par les autres. Donc, la trajectoire de la mission et ce qu'on appelle aujourd'hui universitarisation, c'est bien l'intégration pédagogique ou fonctionnelle, mais avec le maintien de la personne morale qui est le directeur de l'Institut, sauf, et je crois que c'est le cas à Orléans, sauf erreur de ma part, en masso-kinésithérapie, sauf si tout le monde est d'accord. Si l'Institut est d'accord, le directeur du centre hospitalier éventuellement est d'accord, l'université est d'accord et le conseil régional aussi, alors, si tout le monde est d'accord, on peut le faire. Et les textes réglementaires le permettent. Sinon, on est dans de l'intégration pédagogique ou de l'intégration fonctionnelle. Quelle trajectoire ? Et donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est bien dans un diplôme d'état de infirmier, infirmier, manipulateur radio, donnant grade 2. On n'est pas, et nous ne sommes pas, dans un diplôme national de licence. Pourquoi ? Parce que si on faisait un diplôme national de licence, ça voulait dire qu'il y a une intégration organique à l'université. Or, ce n'était pas ce qui était souhaité. Le deuxième point, c'est qu'au niveau européen, c'est le grade qui compte. Il n'y a qu'en France où il y a une différence nominale entre donnant grade 2 et licence en tant que telle, diplôme national de licence. Donc, on est bien dans un grade et ça n'est pas un diplôme national de licence ou de master. Ça voulait dire derrière qu'il fallait acculturer l'ensemble des présidents d'université pour que tous les étudiants qui aujourd'hui ont un grade de licence aient bien la possibilité de faire des poursuites d'études en master et qu'il n'y ait pas de différence qui soit faite là où elle ne devait pas être. Puisqu'encore une fois, c'est ce que je vous disais, le grade, c'est ce qui est reconnu au niveau européen. On affirmait aussi, et c'est ce qui a donné lieu à un certain nombre de travaux, alors ce que je vous énumère ici, c'est ce à quoi nous sommes arrivés ensemble, parce que je peux dire que l'ambiance générale de travail depuis ces deux ans s'est largement améliorée. Aujourd'hui, on est vraiment dans une ambiance extrêmement constructive, puisque c'est la trajectoire consensuelle qui a d'ailleurs été proposée aux ministères respectifs. Un, c'est une transformation pédagogique, une adaptation au parcours LMD. Actuellement, il y a une réingénierie des instituts de formation et du métier d'infirmier. Les ingénieries de formation émanant de la santé étaient extrêmement prescriptives. Or, c'est l'inverse, ce qui était reproché à l'université, c'était trop de liberté académique. Donc en fait, c'est la rencontre de deux mondes. C'est la rencontre d'un monde extrêmement prescriptif au niveau des formations paramédicales avec un monde un peu plus libre sur le plan académique dans le cadre de nos universités, d'ailleurs de l'autonomie des universités. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on trouve, là encore, que chacun fasse un pas vers l'autre et qu'il y ait néanmoins cette transformation pédagogique qui est inhérente à la mise en place
du processus de Bologne. Donc avec des ECTS, avec des unités d'enseignement, mais qu'il y ait systématiquement une liberté qui puisse être donnée pour que ces métiers puissent être enseignés. Mais quand je parle de métiers, ça veut dire que parallèlement, ce sont des métiers, c'est professionnalisant. Ce qui veut dire que les compétences visées pour une infirmière à Marseille doivent être les mêmes qu'une compétences visées pour une infirmière à Tours. Et qu'en conséquence de quoi, il faut à la fois respecter le côté professionnalisant et de l'autre côté faire en sorte qu'on puisse avoir une certaine liberté académique et un peu plus de souplesse. Ce qui veut donc dire une conception conjointe des maquettes de formation. C'est ce qui était en train d'être mis en place actuellement pour les infirmiers. Et ce qui a été acté, c'est que la participation de l'université à l'enseignement devait être environ du quart de la formation des professions paramédicales. Les modalités d'évaluation ne seraient plus à la main des instituts de formation, mais bien proposées par les instituts de formation dans lesquels le président de l'université participe à la gouvernance. Les modalités, les fameux MCCC, les modalités de contrôle des connaissances et des compétences, devraient passer devant la commission de la formation de la vie universitaire, donc à l'université. Les membres du jury, d'année en année, feraient partie, sont à la responsabilité de l'institut de formation, mais avec participation de l'université. Par contre, pour la diplomation, évidemment, le président de l'université, c'est le président du jury, comme pour tous les diplômes en santé actuellement universitarisés, bien évidemment avec la participation d'instituts de formation et qui ferait partie du jury de diplomation. Donc comme vous le voyez, c'est un équilibre constant qui a été cherché pour que chacun se retrouve, je dirais, dans la trajectoire qui est proposée. Le deuxième point, c'est la facilitation de la poursuite d'études et des réorientations. Et donc, on doit considérer, c'est ce que je disais, les demandes de poursuite d'études avec grade 2 au même niveau et de la même façon qu'un autre étudiant qui sortirait d'une licence ou d'un master. Et puis, on en parlait ce matin et je reviendrai dessus, c'est l'intérêt aussi d'unités d'enseignement transversales qui peuvent être validées et qui permettent les réorientations et les passerelles. Les droits des étudiants. Alors, les droits des étudiants, je vais parler d'un droit des étudiants, là, je peux en parler parce que c'était du temps où je travaillais un peu là-haut. On avait fait un texte disant que les étudiants paramédicaux qui sont inscrits à l'université déjà, hein, parce que donnant licence, ils sont inscrits, avaient le droit de vote dans les élections centrales. Eh bien, parfois, ce texte était un peu oublié. On oubliait que les étudiants paramédicaux avaient le droit de vote. Donc, clairement, un certain nombre de droits ont été revus et déjà applicables. Et d'ailleurs, les annexes, on en parle demain, on a une réunion demain. Les annexes vont être jointes maintenant aux conventions pour que les étudiants en santé qui payent leurs droits d'inscription, ils aient les mêmes droits que les étudiants en médecine, par exemple. Et puis, le développement des filières d'enseignement et de recherche paramédicale, là, ça a donné lieu à de nombreux échanges et ça a donné lieu à une mission IGAS-IGESR, c'est ce que je disais, spéciale, puisque le statut des encadrants et le statut des enseignants-chercheurs étaient intéressants et qu'il fallait absolument qu'on ait une vision nationale et qu'on ait surtout l'avis des acteurs dans le cadre de ces statuts. C'est ainsi que ce qui a été demandé pour les enseignants-chercheurs des CNU 91, 92 et 90 d'ailleurs, c'est qu'ils ne soient plus mono-appartenants mais bi-appartenants, avec à la fois une valence académique mais également une valence clinique, quel que soit leur mode d'exercice. C'est-à-dire que, un peu finalement comme un doux mélange entre les professeurs de médecine générale qui peuvent avoir une activité privée et parfois les praticiens hospitaliers qui ont une activité hospitalière. Et c'est pour ça que la bivalence serait académique et clinique. En tout cas, c'est ce qui a été préconisé. Et lors des assises hospitalo-universitaires à Versailles l'année dernière, les deux ministres de l'époque avaient annoncé cette bivalence. Et puis la nécessité, évidemment, de création de postes. Alors, c'est ce que je vous ai dit, c'est juste équilibre et dynamique de mise en place. Un, on maintient le maillage territorial. Deux, on maintient les personnalités juridiques. Donc, non, l'universitarisation, ça ne signifie pas que tout le monde part à l'université. Et vraiment, dans les instituts de formation, c'est bien la diversité des profils qui fait d'ailleurs la richesse de cette formation. Trois, et c'est pas rien,
le maintien des compétences des conseils régionaux. Les conseils régionaux qui sont avec nous autour de la table et qui se demandaient quand même si universitarisation signifiait pas perte de compétences pour eux. Donc non, bien sûr que non. La compétence des conseils régionaux reste identique. Et puis avec cet équilibre pédagogique entre ce versant académique et le versant métier, on a une réputation qui est quand même assez intéressante au niveau des universités, parce qu'on a l'impression que quand on fait un enseignement universitaire, c'est obligatoirement déconnecté de la vie professionnelle. Or, on est tous bien placés pour savoir que quand on apprend nos études de santé, qu'on fait médecine, on est quand même, normalement, on sait faire médecin à la fin. Mais on a cette réputation-là, comme quand on est peut-être un peu déconnecté, donc il a quand même fallu montrer ce genre de choses. Si je vous parle de maintien des équilibres financiers par les temps qui courent, vous imaginez que c'est important. Sauf que, et par les temps qui courent, c'est important, il y a un surcoût lié à cette diplomation et à cette transformation pédagogique, et le surcoût a été évalué. Le volet réglementaire, très brièvement, parce que c'est juste pour souligner quand même qu'on peut faire des évolutions avec des vecteurs, avec la législation actuelle. Il serait souhaitable qu'on puisse avoir un vecteur législatif pour modifier quelques articles du Code de santé publique et du Code de l'éducation, puisque la diplomation par le président d'université, ça touche le Code de l'éducation. Les droits des étudiants, comme vous le voyez, les annexes qui vont être envoyées, donc pour les doyens, vous le verrez, vont des frais d'inscription à la pratique et l'offre culturelle. Vous allez dire, bah oui, mais les instituts de formation payent ce qu'on appelle la CEVEC, donc les étudiants payent des droits qui leur permettent d'aller faire du sport, etc. Mais quand ils sont à 180 km de l'université, légitimement, ils pouvaient se demander à quoi ça sert de payer ces droits. Et donc, on a fait tout un travail, il y a eu tout un travail qui a été fait, notamment avec les collectivités locales, avec les directions d'établissement, etc., pour qu'on puisse assurer cela à l'étudiant où qu'il soit. Mais c'est comme ça qu'on fidélise. On ne peut pas déconnecter les étudiants de leur vie sociale. On ne peut pas se dire que parce qu'ils sont, si on veut les maintenir et fidéliser dans un territoire, on parlait de cela ce matin, on ne peut pas imaginer qu'ils n'aient pas les mêmes droits, mais les mêmes possibilités qu'ailleurs. Sinon, ils n'ont qu'une envie, c'est aller ailleurs. Donc, il faut qu'on arrive à faire en sorte que, territorialement, ils soient heureux de faire leurs études et que, sur ce plan-là, compte tenu d'un certain nombre de décisions qui ont été prises, en particulier, on parlait des chefs de clinique dans les établissements de santé non CHU, les stages au milieu ambulatoire et dans la réingénierie infirmière, il va y avoir un certain nombre de stages en milieu ambulatoire, eh bien, qu'on puisse accueillir ces étudiants ensemble, pas forcément près d'une université, et qu'il y ait là, finalement, des travaux qui puissent se faire avec les collectivités locales, avec les directeurs de centres hospitaliers, pour qu'on ait une politique qui s'appelle, je sais pas, j'aime mon étudiant, quoi, et qu'il soit heureux d'être là, et heureux d'être là. On a le service sanitaire a permis quand même de faire en sorte qu'un certain nombre d'étudiants puissent partir ensemble, à distance des universités, avec à la fois des étudiants en médecine, des étudiants en pharmacie, des sages-femmes, et des étudiants infirmiers ou paramédicaux. Et quand ils reviennent, ils sont assez contents d'avoir travaillé ensemble. Donc ce qu'on a fait à cette échelle-là, on peut parfaitement l'imaginer dans le cadre des stages à distance de l'université. Et encore une fois, en prenant l'ensemble du problème, et pas uniquement les études, mais bien la vie sociale des étudiants pendant leurs études. La transformation pédagogique, elle est en cours et on a travaillé sur des unités d'enseignement transversales et des unités d'enseignement cœur de métier. Et c'est ça qui peut être intéressant, puisque ce matin, on a vu des unités d'enseignement transversales. Il y a un certain nombre d'unités d'enseignement qui sont les mêmes, que l'on soit préparateur en pharmacie, voire étudiant en médecine. On a parlé d'éthique, on a parlé de philosophie, on a parlé de santé publique. Vraisemblablement, il y a un socle de compétences qui est le même, quel que soit le professionnel de santé. Et après, on a des déclinaisons qui sont spécifiques aux filières concernées. Alors, on a fait un travail, et le travail a été confié à notre collègue Emmanuel Touzet, qui est en même temps président de l'ONDPS.
On a fait un travail sur l'unité recherche et initiation à la recherche. Et quand on regardait l'unité d'enseignement recherche dans les instituts de formation, ça allait de les entraîner à publier dans le Lancet ou regarder Madame Figaro. Donc vraiment, ce qui était fait était extrêmement inhomogène. On a donc mis autour de la table des enseignants-chercheurs, des directeurs d'instituts de formation, pour mettre en place une UE recherche qui soit la même, quel que soit le métier, au niveau licence. C'est comme ça qu'on peut commencer sur des compétences transversales et des UE transversales. On a parlé du numérique, on a parlé de l'intérêt du distanciel. La crise Covid nous a montré qu'on ne peut pas tout résoudre par le distanciel. Les étudiants en ont beaucoup souffert, mais finalement les enseignants aussi. Et donc on sait aujourd'hui, et au-delà, et ce n'est pas un mythe, mais bien les travaux en sciences de l'éducation montrent l'intérêt des formations qui sont plutôt hybrides, c'est-à-dire qu'il ne faut pas nier l'intérêt du distanciel, mais il faut aussi qu'on puisse travailler en présentiel. Ce qui fait que va-t-il se passer pour ces instituts de formation qui sont à 180 km de l'université quand on dit qu'il faut 25% d'enseignement universitaire ? C'est quand même une question. Et on ne peut pas répondre à cette question en disant « je vais vous faire un podcast ». C'est pas comme ça qu'on va répondre à la question. Et donc actuellement, France Université est en train de travailler pour voir si il n'y a pas justement, comme on a eu des chefs de clinique qui sont allés hors des murs du CHU, mais vraisemblablement dans les établissements de santé à proximité de tel ou tel institut de formation, il y a eu d'anciens chefs de clinique, des praticiens qui aiment l'enseignement et qui peuvent être mandatés par le président d'université pour être le relais, l'antenne finalement de l'université proche de ces instituts de formation, et c'est ce qui est en train d'être travaillé actuellement. Le temps de stage, etc., je vais arrêter là, juste pour vous dire que par exemple, le temps de stage, clairement, aujourd'hui, on ne peut pas faire à un étudiant en santé plus de 35 heures de stage par semaine. Voilà. Donc, dans ce qui sort actuellement pour toutes les professions paramédicales, c'est un temps de stage de 35 heures par semaine, dans lequel est compris un temps de réflexivité avec les tuteurs. En ce qui concerne enfin les encadrants et les enseignants-chercheurs, il y a des arbitrages qui sont actuellement en cours, il y a eu des recommandations qui ont été faites par l'IGAS et l'IGESR. Comme je vous le disais, c'est public. Donc oui, évidemment, il faut créer des postes paramédicaux dans le cadre de la révision des effectifs. Très clairement aussi, depuis 4 ans, depuis 2019, je peux souligner le fait qu'aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une révision des effectifs, on est en plein dedans, chaque fois qu'il y a une révision des effectifs, les doyens, les présidents d'université arrivent avec des jeunes ou moins jeunes, enseignants-chercheurs de professions paramédicales qu'ils souhaitent promouvoir et qui ont une trajectoire extrêmement intéressante. Et dès que c'est possible, effectivement, les créations de postes se font, sachant que pour des postes qui sont des postes de non-titulaires, donc de maîtres de conférences agrégés ou de professeurs agrégés, les conseils régionaux sont très attentifs et demandent parfois eux-mêmes et financent parfois des créations de postes de masse et de paste pour pouvoir justement promouvoir l'université au plus près des territoires. En conclusion, il y a eu du chemin, mais il en reste encore. On poursuit les travaux, sachant que on ne peut gagner qu'à partir de l'instant où la trajectoire est consensuelle. Et ce que je vous ai présenté là, c'est le résultat d'un consensus avec tous les acteurs autour de la table. Il y a un engagement important de chacun d'entre eux et des contributions qui nous reviennent de façon régulière et avec un pragmatisme extrêmement à souligner. L'universitarisation, c'est une volonté affichée des étudiants. Être diplômé par le président d'université comme les autres, c'est une vraie volonté affichée de tous les étudiants paramédicaux. Il faudra un jour peut-être, chers collègues, qu'on trouve d'ailleurs une solution pour arrêter d'appeler un étudiant paramédical un paramédical. Que dans les textes réglementaires, on arrête de parler d'un auxiliaire médical. Au niveau de la direction du ministère de la Santé, et ils s'en sont eux-mêmes chagrins, mais on a le PM et le PNM, personnel médical, personnel non médical. Et que finalement, la compétence soignante, elle doit se déterminer par rapport à son métier, sa mission, et pas forcément par rapport à la nôtre en tant que médecin.
Le jour où on aura déjà franchi ça, je pense qu'on aura franchi, là encore sur le plan juste, de la sémantique et de la représentation sociale, un pas. Cette volonté, c'est d'avoir l'université dans les territoires, comme on l'a fait avec les chefs de clinique, les maîtres de conférences et les professeurs, hors du CHU et dans un autre endroit, pour faire un véritable réseau académique et un réseau de recherche. C'est un facteur d'attractivité, c'est un facteur de fidélisation et c'est un facteur qui peut améliorer l'approche multiprofessionnelle. Et on parlait ce matin de ces difficultés, encore une fois, peut-être que si on n'a pas de regard systémique, on n'y arrivera jamais à résoudre ces difficultés. Aujourd'hui, il faut peut-être se poser la bonne question. Quelle est la mission du médecin? Quelle est la mission des collaborateurs, je sais pas, en tout cas de collaboration dans le parcours de soins, et comment faire en sorte qu'on ait des parcours de soins qui soient peut-être différents de ceux qu'on a connus, mais de toute façon, ça ne sera pas ceux qu'on a connus. Faciliter les réorientations et les poursuites d'études, plus on avance dans le temps et plus on se rend compte que cette demande est fondamentale. Quand on parle des générations, ils ne se projettent pas forcément dans un métier toujours à la même place et toujours le même métier. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir une lisibilité, c'est de se dire « qu'est-ce que je peux faire avec ce que je commence à faire là, dans 10 ans, dans 15 ans ?» Et donc, le fait de rendre lisible et de ne pas avoir cette notion d'enfermement dans un métier est extrêmement important. Le développement de la recherche, au niveau de la recherche ambulatoire, on a un retard extrêmement important qu'on doit combler. Et on peut espérer que l'universitarisation le permettra. Et puis enfin, il faut que nos collègues infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes puissent accéder facilement, non pas facilement, en tout cas qu'on les aide avec des contrats doctoraux, ce qui était prévu dans le rapport IGAS-IGESR, à embrasser la carrière universitaire. Et puis enfin, ce qui est demandé par les étudiants, c'est la possibilité d'avoir, comme les autres, une carrière, une possibilité de mobilité internationale. Bref. Ça implique une co-construction, et cette co-construction, elle ne peut se faire qu'en confiance, en se disant que ce qu'on vise, c'est ça, et que ça ne permet que l'amélioration vers un système de soins qui corresponde au mieux avec la nécessité de besoin de soins. Quelqu'un parlait tout à l'heure d'apprendre, et vous avez parlé d'apprendre, je crois, sur le plan du changement de comportement. C'est Jordan qui dit, qui est un pédagogue, qui dit qu'apprendre, c'est changer durablement son comportement. On est encore en apprentissage et on doit changer un comportement. C'est en cours, j'espère simplement qu'on va pouvoir y arriver dans le monde et dans le contexte qui nous entoure. Je vous remercie. Merci oui. Beaucoup. Alors, j'ai lu sur une de vos plaques « physicien médical ». Alors, est-ce qu'il s'agirait de la lithotricie? Parce qu'au début, c'était les urologues qui pratiquaient la lithotricie. Et depuis, les hôpitaux louent la machine et le technicien. Alors, il y a l'interne qui est là pour être soi-disant médical, tâter le pouls, prendre l'attention, calmer le patient, etc. Mais est-ce qu'il s'agit bien de cela? Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Le physicien médical, c'est de la radio. Radiothérapie. Pardon? Vas-y. Non, manipulateur en électro-radiologie médicale, c'est licence. Le physicien médical, c'est ce qui entoure toute la radiothérapie, etc. Pardon, radiothérapie, etc. C'est pas la lithotricie. Ceux dont vous parlez avant, c'était les manipulateurs en électro-radiologie médicale, c'est une licence en 3 ans. Les manipulateurs de radiologie. C'est ça. Juste, madame, une autre question. 2006, ça me rappelait, j'étais pendant la conférence des doyens avant Patrizio, et c'était moi qui m'étais occupé de ce problème entre donc Xavier Bertrand et François Goulard, qui était un très grand ministre, avec un grand conseiller que Jean-François Mathé connaît bien, qui était Philippe Thibault. Ma question, c'était, à l'époque, il y avait le problème de la VAE. Qu'accrochait et il n'y avait pas eu d'entente. Alors, je voulais savoir, est-ce que la VAE, 2006 jusqu'à maintenant, est-ce qu'enfin la VAE, qui est adorée en Europe, hein, tous les pays européens font la VAE, la France déteste ça parce qu'on est tubulaire, on est en silo. Donc, est-ce que vous avez pu mettre en fonction cette VAE?
Alors, c'est en cours, mais je vais finir par penser que vous avez vu la note que j'ai rédigée il y a deux jours sur le sujet. Non, la VAE, il y a eu un exemple extrêmement intéressant concernant la VAE. Il y a eu un texte qui est sorti comme quoi des aides-soignants, de brillants aides-soignants, peuvent passer en deuxième année d'infirmier dès l'instant où ils ont déposé un dossier et que leur dossier est suffisamment bon pour avoir ce droit. Il y a eu un recours d'ailleurs qui a été fait par les associations d'enseignants infirmiers disant qu'ils s'opposaient à cela parce que donc il fallait un certain nombre d'années d'expérience, etc. Bon, le recours a été débouté. Qu'est-ce qui s'est passé et sur quoi était basé ce recours ? C'est qu'on peut être aide-soignant sans avoir le bac. Or, si on rentrait dans les études d'infirmier, on donne grade licence. Donc ça aurait voulu dire qu'on donnait un grade licence à quelqu'un qui n'avait pas eu le bac. Bon, ça veut donc dire derrière, et alors là on arrive dans les je ne vais pas parler d'usine à gaz, mais quand même un peu, ça veut dire que derrière, on se met en situation, chaque fois qu'on fait une VAE, on doit regarder absolument tous les textes pour être sûr qu'on n'est pas en train d'aller contre un texte réglementaire qui ferait qu'il y ait derrière un recours ou quelque chose qui nous mettrait à mal. Ceci étant posé, très honnêtement, je pense que les mentalités ont quand même largement évolué sur ce sujet. En ce qui concerne les VAE et les passerelles, c'est noir sur blanc dans les nécessités. Et justement, très récemment, il y a eu un travail qui a été fait sur une dernière profession qui n'est pas du tout niveau licence, qui est dans ma discipline, qui est l'assistant de régulation médicale, et qui est en un an. Et un arrêté, l'annexe 11 de l'arrêté, montre toutes les passerelles possibles entre aide-soignants, ambulanciers, etc., pour faire ce métier-là. Et plus ça va, et plus on va vers ça. C'est-à-dire que d'emblée, on se dit, bon, il a fait telle et telle expérience professionnelle, il a telle et telle unité d'enseignement, on peut aller vers une validation des acquis d'expérience. Ça évolue. Ça évolue vraiment beaucoup. Mais on est parti de... Enfin, c'est... Oui. Merci, madame, pour cette remarquable mise au point. Je voulais vous demander, c'est une universitarisation dans le domaine infirmier. Bon, elle va conduire, si ce chemin se poursuit, vers donc des personnes qui pourraient être maîtres de conférences, qui pourraient être professeurs infirmiers, comme vous l'avez dit, au Canada. Et ma question concerne, parce que vous l'avez dit, c'est de l'enseignement, ça va être de la recherche, des soins infirmiers, par exemple, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous entendez par le champ des soins infirmiers ? Parce que vous voyez bien qu'actuellement, ça concerne tout particulièrement les infirmières de pratique avancée, qui sont tout à fait le genre de personnes qui vont vouloir aller vers ces titularisations, enfin vers cette universitarisation. Et vous savez bien actuellement qu'on essaie de définir le champ de compétences des IPA, et si on suit l'évolution actuelle, ce champ de compétences va devenir extrêmement étendu, notamment dans le domaine thérapeutique, sans qu'il y ait en base une formation diagnostique suffisante. Et donc, ce qu'on peut craindre, c'est que finalement, on donne la possibilité à des gens d'être maîtres de conférences ou professeurs sur un champ de compétences qui n'est pas encore défini et qui risque de s'étendre et de créer de réels problèmes avec la profession médicale. Parce que vous avez parlé de paramédecins, il faut aussi que les médecins restent des médecins. Alors, réponse très courte, très très courte. Actuellement, le référentiel activité compétences est en train de sortir pour le nouveau métier d'infirmier, puisqu'il va y avoir... Et vous parlez de prescription, et vous avez raison. C'est ce qui est prévu dans le nouveau référentiel activité-compétences. Et donc, les recherches seront sur les référentiels activité-compétences qui vont être établis. J'ai envie de dire que les compétences et les référentiels de compétences des professionnels paramédicaux sont bien plus, je l'ai dit, prescriptifs qu'ils ne le sont pour les médecins. Donc, très clairement, ce sera dans le champ de compétences tels que définis, juste pour vous dire qu'il y a déjà des professeurs infirmiers et des maîtres de conférences infirmiers en France. Il y en a une dizaine. François. Merci pour cette synthèse d'un domaine complexe. Est-ce que vous pourriez adresser la question des infirmières scolaires ? C'est une catégorie qui est nombreuse, qui est en déshérence, qui est en perte de confiance
et qui, à mon sens, nécessaire. Donc, comment voyez-vous leurs problèmes ? Alors, les infirmières scolaires, il n'y a pas de spécialité, comme vous le savez, infirmière scolaire en tant que telle. Hein, donc, ce sont des infirmières, des IDE. Et actuellement, il y a une réflexion qui est menée sur l'enfance, avec justement tout ce qui est IPA et puériculture. En ce qui concerne les infirmières scolaires, il y a un travail qui est actuellement mené, que je n'ai pas avec moi, mais sur le médecin scolaire, qui est actuellement en cours de réflexion au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère de l'Éducation nationale. Et on peut imaginer que les travaux seront menés ensemble, mais j'avoue que j'en sais rien. Ouais, ils ne font pas le même métier, ça je suis complètement d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que le milieu scolaire nécessite à lui-même qu'on s'y attarde. Ça, je suis complètement d'accord. Oui, une question. Oui. Oui. Moi, vraiment, je vous félicite pour cette conférence absolument remarquable qui a montré, on sent la complexité et c'est un traitement contre les idées simplistes. Vous avez parlé de l'attractivité et de la fidélisation. Je voudrais que vous précisiez un petit peu par rapport à certaines idées qui sont « Ah bah oui, mais maintenant, avec cette universalisation, les infirmières ne vont plus au lit du malade, elles rentrent dans un EHPAD, elles deviennent. » Et puis inversement, on n'a plus ce qu'on avait connu, la promotion interne. Donc je voudrais vous clarifier par rapport à cette notion très importante. Alors, en ce qui concerne la promotion interne dont vous parlez, on parle là de la validation des acquis et d'expérience. Et ça, on n'y touchera pas. Je veux dire que la voie de l'apprentissage, tout ce qui est VAE, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, à l'inverse, on veut pouvoir valoriser cette poursuite d'études, finalement. Quand on parle de promotion interne, c'est une poursuite d'études. Donc valoriser la poursuite d'études et valoriser la VAE. En ce qui concerne maintenant ce que vous dites, c'est-à-dire, oui, mais si on universitarise, ils n'iront plus au lit du patient. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est ce que j'appelle la représentation sociale. C'est l'inconscient collectif. On s'imagine que parce qu'on va à l'université, obligatoirement, on est complètement déconnecté du métier d'être humain. Je rappelle juste qu'il y a un certain nombre de licences professionnelles, de DUT, de BUT, de BUT, donc au niveau de l'université, qui créent des vrais, véritables professionnels métiers. Donc, qui dit université ne dit pas éloignement du socle. De toute façon, chacun doit faire un pas vers l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on n'imagine pas une maquette de formation qui ne soit pas co-construite, et ce n'est pas un vain mot, c'est vraiment le fait que les choses se font ensemble et qu'il y a effectivement des unités d'enseignement qui sont des unités d'enseignement du cœur de métier et que c'est bien les professionnels de ce métier qui doivent l'enseigner, d'où la nécessité d'ailleurs d'avoir des enseignants infirmiers, entre autres. Donc non. C'est une toute dernière question. Et après, on arrête les questions parce que le bus partira sans nous. Merci d'abord, madame, pour votre présentation qui, comme on l'a souligné, était absolument passionnante. Dans une autre vie, j'ai été directeur d'un institut de formation en masso-kinésithérapie. C'était la dernière décennie du XXe siècle, autant dire il y a des siècles. J'avais noté à l'époque la résistance très importante que faisaient les directeurs d'hôpitaux, en particulier de CHU, c'est qu'ils pensaient que cette universitarisation des professions de santé allait s'accompagner d'une augmentation de leur qualification et allait aboutir très rapidement à un important hiatus entre les grilles de rémunération de ces professionnels qui, pour la plupart, sont basés sur un bac plus 2 et le niveau de qualification que l'universitarisation allait leur permettre d'acquérir. Donc, qu'en est-il à l'heure actuelle de ce que l'on peut projeter comme modification salariale qui, tôt ou tard, devront être appliquées avec le développement de l'universitarisation des professions? Alors, très clairement, bon, d'abord, sur le plan salarial, j'ai appris à respecter mon périmètre de compétences. Donc, je sais pas la patate chaude pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, mais je n'ai pas la réponse à votre question. Par contre, actuellement, on a déjà on parle bien de licence master-doctorat, donc on parle d'un bac plus 3. Donc, on a déjà actuellement les revalorisations salariales qui sont allées avec un certain nombre de modifications. J'en veux pour preuve les derniers en date, puisque
les deux dernières professions qui viennent d'être universitarisées, qui ne l'étaient pas. C'est technicien de laboratoire médical et c'est préparateur en pharmacie hospitalière. Ces deux professions, depuis juillet 2024, donc cette année, donnent grade licence. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu, avec la revalorisation salariale qui était concomitante. Bon, merci Christine, je crois qu'on est obligé d'arrêter les questions et je passe la parole à... Merci. Chers amis, on arrive à la clôture de ces journées. Et au nom de la faculté de médecine et de l'université de Tours, je remercie l'Académie de médecine, les académiciens, d'avoir honoré notre communauté en choisissant d'organiser ces journées délocalisées à Tours. J'ai beaucoup apprécié les thématiques abordées et les échanges que nous avons eus sur la nécessaire alliance entre science et humanité pour la médecine de demain, puisque c'était le thème de ces journées. Pour citer un illustre père de la médecine moderne, William Osler, qui est cher aux cardiologues, vous le savez, mais pas que, on partage avec les internistes volontiers et les infectiologues, la médecine est une science d'incertitude et un art de probabilité, pour rappeler que nous ne sommes pas que de la science, ni que des artistes. Merci, Madame la Présidente, chère Catherine, merci Patrice qui a été aussi le moteur de cette réunion. Merci également à toutes les équipes, notamment ici localement, qui se sont investies. Je pense à Aline Sylvain, Annabelle Broussard et toute l'équipe d'audiovisuel, notre responsable administrative, Madame Acolas, qui est présente, et tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ces journées. Merci aux orateurs, aux étudiants et aux collègues qui ont assisté aux séances. Je vous souhaite à tous une excellente fin de séjour et au plaisir de vous accueillir à nouveau en Touraine. À mon tour de dire merci et en particulier à la faculté de médecine de Tours de nous avoir accueillis ici. J'ai trouvé que la journée d'aujourd'hui était vraiment très intéressante. Comme j'avais dit ce matin, dans mon esprit, elle se plaçait un peu dans le contexte de ce colloque qu'aura lieu à l'Académie de médecine le 17 octobre prochain sur la formation. Et je trouve que toutes les discussions qu'on a eues ici sont vraiment une préparation remarquable à cette réunion et les deux peuvent être associés. J'ai aussi apprécié, moi j'aime bien le mot diversité, parce que je pense que l'espèce ou les espèces n'existeraient pas sans la diversité, mais on a vu que sur la formation, il y a une diversité qui se crée. Et quand j'entendais le dernier exposé, dans le fond, je réfléchissais à Claude Bernard. Claude Bernard a commencé préparateur en pharmacie à Lyon, avant de migrer à Paris, où il a pu obtenir le bac que Lyon ne lui avait pas accordé. À Paris d'ailleurs il a été collé à l'agrégation, ce qui ne l'a pas empêché d'être recruté au Collège de France où il a repris la chaire de Magendie. Mais je pense que la diversité c'est vraiment important, et j'avais été frappé quand j'avais été aux États-Unis, quand j'étais plus jeune, par le fait qu'il y avait une grande diversité entre les écoles de médecine. Elles n'étaient pas toutes sur le même format, et qu'ils pouvaient recruter des techniciens de laboratoire dans une fac de médecine et dans d'autres, par exemple, des infirmiers ou des infirmières. Et je pense que la diversité, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et c'est clairement ce qu'on a entendu sur la réflexion actuelle et comme quoi du chemin est peut-être parcouru entre Claude Bernard et ce à quoi on assiste aujourd'hui. En tout cas, merci à tout le monde pour vos interventions et tout ce qui a été dit dans cette journée qui est extrêmement précieuse. Catherine ? Vraiment, je vais vous dire trois mots. Merci.